vous, chers élèves. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'aider les langues anciennes et de nous permettre de les faire revivre chaque jour un peu plus. Dans le cadre du Festival européen Atlantique 2018, consacré aux métamorphoses d'Ovide, les terminales du lycée Saint-Rémy ont choisi de vous lire le livre 1. De l'invocation aux muses à la métamorphose de Daphné, vous serez, nous l'espérons, charmés par cette lecture en latin, en français, en italien, en espagnol, en anglais et en allemand. Cette lecture sera accompagnée de musique. Merci à Anna, Arena, Inès et Raphaël, nos musiciens. Puisse le latin toujours vivre ainsi. Latina lingua vivat. Pronto, incluso frutos de la tierra de la madre y la madre.
Inore vado et compecam cadessa de la gravita saltistas. Corrientes et de lege, la corrientes et recta passavant, travas de la verde en sinac, côté abad, las miedas. When Saturn was finished proving Tartarus and Jupiter put the world, then came the people of the age of silver that is equivalent to gold, more valuable than yellow bronze. Jupiter showed them spring to its duration and where they are consisted of four seasons, winter, summer, changeable autumn, and blue spring. Then, partial heavens flow westward with the heat and ice held down for the following. Then houses were first made for shelter. Before their homes had been made in caves, and then thickets or under the bridges fastened with gold. Then seeds of corn were first buried in the long furrows, and bullocks grown to further under the yoke. Deux premiers visages étaient à l'âge des rats, des hommes devenus féroces, ne respiraient que la guerre, mais ils ne furent pas encore tout à fait corrompus. L'âge de fer fut le dernier. Tous les crimes se répandirent avec lui sur la terre, la pudeur, la vérité, la bonne foi disparut. À leur place dominèrent l'artifice, la trahison, la violence et la coupable soif de posséder. Le nautonnier confia ses voiles à des vents qu'il ne connaissait pas encore, et les arbres qui avaient vieilli sur les montagnes ont descendu pour flotter sur les mers ignorées. La terre, auparavant commune aux hommes, ainsi que l'air et la lumière, fut partagée, et le laboureur défiant traça de longues limites autour du champ. Les hommes ne se bornèrent point à demander à la terre ses moissons et ses pluies. Ils osèrent pénétrer dans son sein. Et les trésors qu'elle recelait, dans des antres voisins de Tartare, vinrent aggraver tous leurs maux. Déjà sont dans leurs mains le fer, instrument du crime, et l'or putrescient encore. La discorde tomba avec l'un et l'autre. Sa main ensanglantée agite et fait retentir les armes homicides. Pourtant, en vie de rapine, l'hospitalité n'a plus pu un acte sacré. Le beau-père retrouve son gendre. L'union des rares entre les frères, l'époux menace les jours de sa compagne et celle-ci les jours de son mari. Des marins cruels mêlent les parts d'horribles poisons, le fils hâte les derniers jours de son père, la piété languie, mépridée et astrée, quitte enfin cette terre souillée de sang et que les géants ont déjà abandonnée.
Enseguida, al alquilo vencía la paz en unas cavernas, y a cuantos soplos ahuyentan congregadas a las nubes, y suelta al lodo. Con sus mojadas alas el lodo vuela, su terrible rostro cubierto de una pluma como la mesa. La barba pesada de borrascas fluye agua de sus canos en los cabellos, en su frente se hacen las telas, ruban sus alas y senos. Y cuando su mano, algo ancho suspendidas, las nubes apretó, se hace un fragor. Entonces, densas se veraban desde eternas borrascas. La mensajera que habló, de variados colores vestida, concibe iris, aguas y alimentos a las nubes a llegar. Postronse los sembrados y violados por los gordos, sus votos se hacen y perece el trabajo frustrado de un árbol. Ecco il loro contenta la sua esprimissima solitudine, che a voi che state adeguati, non si dà più. Thank you.
causes a fertile country when it was still land, separates Zambia from Botswana. Though, at that time, the spot was a wide expanse of suddenly created water. There, Mount Parnassus lifts his twin steeps turning to the stars, speaks above the clouds. When Deucalion and his wife had his near small boats, everywhere else been drowned by the waters. We worship the prince and nymph, the mountain god, and the goddess of the oracles, Betty Kennis. No one was more virtuous or fond of justice than he was, and no woman showed greater worthiness for the god. When Jupiter saw the earth covered with clear water, and that only one man was left of all 1,000 of women. When one woman left all 1,000 of women, both innocents and both worshipped for the god, he scattered the clouds and mist with the north wind and sea, and we will see when to the earth and the earth to stand. Cependant, l'inactivité s'est faite. Le dieu des mers dépose son trident et rétablit le calme dans son vie. Il appelle sur ses profonds amis Triton, qui couvrent des veilles de pauvres ses étoiles d'azur. Il lui ordonne de faire résonner sa trompe et de donner aux ondes et aux fleuves le signal de la retraite. Soudain, Triton saisit cette trompe claire, longue et recourbée, qui va toujours s'élargissant et qui, lorsqu'elle retentit du milieu de l'océan, prolonge ses sons des pommes où le soleil se lève au dernier rivage qui éclaire de ses feuilles. Dès que la pompe eut touché les lèvres humides du dieu dont la barbe distille l'onde, et qu'elle eut transmis les ordres de Neptune, les vagues de la mer et celles qui couvraient la terre les entendirent, et se retirèrent. Déjà, l'océan découvre ses rivages, les fleuves décroissent et entrent dans la mer, et selon que les eaux s'abaissent, les collines se découvrent et la terre s'en ressemble. Les arbres, longtemps submergés, montrent leurs signes dépouillés de feuillage et couverts de lumière. La terre entière avait enfin apparu. À l'aspect de ce monde, coulant sous les dieux d'Oracle avec un silence effrayant, tant qu'elle vient vers ceux des larmes, et s'adressant à Pyrrha, sa compagne, il lui parle comme s'il meurt. Déou, Caillon, Lacrimis, Ita, Pyrrha, Alphatour, Obortis. Ô Soor, ô Conius, ô Phénia, Sola, Superstes. Quam comune ini genus et patru eli origo, deinde taurus ium sit, nunc ipsa pericula immunit. Terrarum quas cumque vident, ocasus et ortus. Non nos turba sumus, possedit etera conus. Aequoque aduc vitae, non est fiducia nostrae. Certa satis terren etia nunc nubila metem. Quis tibi si sine, me fatis erepta fruses, nunc animus miseranda coret? Quo sola timorem ferre modo faces? Quo consolante deveres? Namque ego crede mihi, si te quoque pontus averet, te sequerer conimus et me quoque pontus averet. O utina, possib populos reparare, paternis artibus adque animas formatae infundere terrae. Nunc genus in hobis restat mortale tuobus, si quisum superis hominumque exempla manibus. Il dit deux peuples, ils veulent s'en aller. Pleurer le secours des cœurs, toucher les ombres. Ils se rendent ensemble sur les bords de Sénat, où les eaux sont encore chargées de l'eau. Mais qui déjà court pour serrer dans son lit? Quand ils ont arrosé leur tête et leur vêtement de son nom sacré, ils dirigent leur pas vers le temps de pays. En fait, on est couvert d'une eau étrangère. Les feux sacrés sont éteints sur les autels. Dès que leur paupière touche le ciel du temple, ils se prosternent. Et, saisis d'un certain point, ils pèsent avec respect les mains de l'eau. Si les dieux, disent-ils, cessent de fléchir ou de les mortels, cela court les points pas qu'un grand nombre de tennis, par quel moyen la perte du genre humain peut être pas. Montre-toi propice et secourant ce grand désastre des dieux. Les déesses entendent leur vœu qui grandissent en eux. Réunis au temps, voyez vos têtes, détachez vos ceintures, et jetez derrière vous les yeux de votre corps. The goddess was moved and controlled around Mount's reach. Deep the temple and with black hairs and losing clothes, broke her huge bones of her great mother.
Je voulais vous expliquer une petite, je voulais
poursuit la nymphe sans relâche. Il est déjà prêt à la saisir, déjà sur la mer, brûlante, agite ses cheveux. Thank you.
sommes désolés des problèmes techniques de nos micros. On espère avoir été le plus possible. Et voilà, donc c'était pas évident de toujours suivre parce qu'on a pu mettre dans plusieurs langues, toutes les langues qui étaient enseignées au lycée, pour mettre en valeur aussi notre établissement scolaire. Vous aviez le texte en français pour suivre. Voilà. J'espère que vous avez passé.